Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du book haul du mois de juillet. Ouais, je sais, j'ai beaucoup craqué, mais quand vous voyez des occasions comme ça, vous pouvez pas laisser passer ça. Donc voilà, vous êtes accrochez-vous. Il va y avoir beaucoup de livres. Donc ça c'est essentiellement Emmaüs. I love Emmaüs. Voilà. Accrochez-vous, prenez un petit snack et tout. Et là j'ai fait une affaire de malade. Quand vous comptez un livre Hugo à 17 euros, là tout ce que je vais vous montrer, j'en ai eu pour 65 euros. Je vous laisse compter le nombre de livres que vous allez voir par la suite. Je vais mettre un temps fou à faire les barres d'infos pour ces book hauls, ça va être ouf. Mais bon, je suis tellement contente. Il y en a la plupart, enfin, ils étaient dans ma wishlist, donc voilà, je voulais les lire et je suis trop trop contente de les avoir trouvés pour si peu cher. Merci Bella, merci. Donc on y va tout de suite pour pas que ça dure trop trop longtemps, parce que bon, là c'est déjà la deuxième partie et il y aura encore une troisième partie pour les e-books et le restant des commandes que j'attends. Et voilà, si je retourne à Emmaüs, voilà. Même tu sais, si t'es une accro au bouquin et une accro à Emmaüs, voilà. Donc on est parti. Donc j'ai un cabas rempli, hein. Voilà. Donc on y va. Donc je sais même pas dans l'ordre en plus, mais je vais peut-être le mettre sur le côté pour ceux qui sont il y a plusieurs tomes comme ça. Voilà. Je sais plus trop. J'ai pris, je suis arrivée, j'en revenais pas. Déjà j'en ai vu un direct en arrivant au pop, je l'ai glissé, j'ai regardé Francis le compagnon, je fais t'as des nouveautés. Et oui regarde là. J'ai regardé, j'étais sur le cul et voilà, j'ai pris mes bras et hop, tout mis de côté, voilà, ça je prends, je peux pas. Et encore, j'en ai laissé, mais je les ai laissés mis de côté en fait. Donc, tout d'abord, j'ai pris de Loreline Page et Sierra Simone, Love en direct, donc aux éditions collection New Romance. Donc, voilà. Ils sont tous en état nickel. Je suis tellement contente. Donc, voilà, celui-ci devait être dans ma wishlist, hein, c'est sûr. Donc, très très contente. Là, en plus, je n'ai quasiment plus de Hugo dans ma bibliothèque, étant donné que j'ai fait du tri, ceux que j'ai lus, bah, je les ai la plupart revendus. Je sais pas s'il y en a encore sur la boutique. Il en reste quelques-uns, oui, sur la boutique Price, si vous voulez aller jeter un oeil. Mais je pense que je vais essayer de les mettre sur le bon coin aussi, parce que Price, ça vaut plus trop le coup avec les frais de port. Malgré que mes livres soient à 90 centimes, voilà, ça part pas. Donc voilà, donc celui-ci, très contente. Bon, je suis très contente pour tous, hein. Ensuite, j'ai trouvé Note Noire. Celui-ci, je suis très très contente de l'avoir trouvé parce qu'il me faisait très très envie depuis un moment. Donc c'est de Pam Godwin. C'est de la New Romance. Mais c'est collection blanche, je crois. Donc drame psychologique. Voilà. Donc très contente. Voilà. Je les ai eu à quoi, 2, 3 euros et encore. Ouais, normalement 3 euros. Mais là, il m'a fait un bon prix. Encore sur alors que ça valait déjà le coup, mais ouais. Je suis trop contente, il est vraiment beau celui-ci. Donc ils sont pas cassés, rien du tout, ils sont nickel. Je suis très 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 contente. Ensuite c'est celui-ci que j'ai vu en tout premier, voilà. Donc Summertime, donc Season Song, le premier tome de Florana et Jacinthe Nitouche. C'est aux éditions, je sais pas comment ça s'appelle. Il y a une playlist, ça va être cool. Je l'avais vu sur la chaîne de Fifty Booking, donc c'est les éditions EDB édition. Donc je connais pas du tout. Non, il coûte 15 euros. Il est en très très bon état aussi. Je suis très contente, franchement. Et voilà, il est très très joli. Donc ravi. Donc c'est le premier que j'ai vu et j'ai sauté dessus. Ensuite, j'ai trouvé
un petit poche, donc Rebelle du désert, celui-ci je l'ai déjà en grand format, donc de Alwyn Hamilton. Donc celui-ci me l'a offert, celui-ci il va chez ma sœurette. Voilà. Mais j'étais surprise de voir le format poche si petit, et voilà, c'est. Voilà, il fait la taille de ma main. C'est chaud. Donc ouais. Très contente aussi, il est en parfait état, donc c'est cool. Faut que je le mette de côté parce que c'est pas pour moi. Ensuite, bon, je vous avais dit que je ne les lirais pas. Voilà, mais bon, là je les ai trouvés pour rien, donc voilà, j'ai pris. C'est du Colleen Hoover. Donc si vous savez, si vous me suivez, vous savez qu'il y a, une saga de Colleen Hoover que je ne voulais pas lire. C'est la saga Never Never, donc avec Taryn Fisher. Je voulais pas les lire parce que je savais que j'allais pas aimer la fin, j'allais être déçue par rapport à tous les avis que j'en ai entendus. Mais bon, voilà, là je les ai vus, donc je les ai pris. Parce que pour 9, ils sont à 9,95. Je trouve ça. Ouf, même le dernier, il est. Non, le premier, il est à 13,50. Ça fait cher la saga. Voilà. Parce qu'ils sont vraiment pas épais. Mais voilà, là je les ai trouvés. Donc. J'ai de nouveau du Colleen Hoover dans ma palle. Je sais, bah, voilà, maintenant que je sais, enfin, je le sais que je vais pas forcément aimer la fin, donc je serai peut-être moins déçue que certaines. Voilà. Donc voilà, le premier, le deuxième et le troisième. Donc voilà, je les ai lus, je les ai pris, je ne vais pas chercher. Donc il ne faut jamais dire jamais. Donc voilà, je les lirai. Ensuite, il y avait aussi Step Brother de Penelope Ward. Ben celui-ci, je l'ai déjà lu. Mais voilà, il est en parfait état. Je me suis dit, j'avais bien aimé l'histoire, je pourrais me relire. Et voilà, ça fera un petit peu de bleu dans la bibliothèque. La fille. Ensuite, j'ai trouvé La Muse de Sarah Agnès L. Celui-ci, j'en avais pas entendu parler. Mais pareil, voilà, il est en très très bon état. Ça me fera une romance de plus. Enfin, c'est collection blanche aussi. Donc, ça va me changer un petit peu de la romance basique. Donc, voilà pour ça. Ils sont trop bons. Ensuite, j'ai trouvé une trilogie. Je pense que c'est une trilogie. J'espère qu'il n'y a que 3 tomes, je pense. Donc, c'est une saga de Maya Banks. Donc c'est Slow Burn, donc le premier tome Protège-moi. Putain, il est pas super épais, ils l'ont vendu quand même à 17 euros. Moi je trouve que ils abusent Hugo, parce que le travail d'édition il sent plus quoi, je veux dire les en-têtes de chapitre, voilà, c'est juste ça. Je trouve qu'ils se font du blé sur le dos des personnes qui aiment la romance, qui commencent dans la romance, franchement je trouve qu'ils. Ils abusent, en plus avec les fautes qu'il y a dedans, je trouve ça aberrant. Mais enfin voilà, c'est pour ça que moi je refuse de les acheter neufs maintenant, non. Mais voilà, je les ai vus, j'ai craqué à 3 euros. Donc voilà, le premier tome Protège-moi. Le deuxième tome, qui est un peu plus gros, pareil, 17 euros, vous comptez la trilogie, à combien elle vous revient. Donc Sous ta protection. Et le troisième tome qui est de nouveau un peu plus petit mais toujours à 17 euros, Enfin réunis. Hop. La pile est déjà énorme. Ensuite, j'ai encore trouvé une autre trilogie. C'est la trilogie Close-up, il me semble qu'il n'y en a que 3. Enfin, je vous dirai ça de toute manière en bas de l'écran, comme d'habitude. Donc voilà, le premier tome donc, de Jane Devereaux, donc Indomptable Cendre. Pareil, c'était dans ma wishlist. Ils sont sur ma liseuse, hein, ceux-ci. Donc très très contente. Le second tome, Inoubliable Josh. J'aime bien celle-ci, couverture. Le tome 3, Close-up. Non. Pas Close-up, c'est la saga Close-up. Insaisissable Steve. La meuf a besoin de sommeil. Donc voilà, pareil, celui-ci à 14,50. Ah, il y avait un petit peu de mieux là pour cette saga, mais bon, ça reste quand même. Voilà. Donc 14,50 les 3 tomes. Mais bon, moi je les ai eus à 3 euros.
moins. Ensuite, je me suis trouvé deux tomes de la collection R, donc de chez Robert Laffont, de Miral Djundir. Je me suis trouvé Caleb, donc le premier tome en super état, et le tome 2, c'est ça ? Ouais, tome 2. Je crois qu'il y a trois tomes. Donc le premier est très brillant, le deuxième est mat, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, c'est écrit gros, hein. Donc ça devrait bien se lire. Je suis tellement contente de trouver des livres si bon état et voilà. Mettez-vous à ma place, quoi. Ensuite, j'ai trouvé deux tomes de la saga, je sais plus comment ça s'appelle, Quantum. Par contre, j'ai pas fait attention que c'est le tome 4 et le tome 5, mais bon, c'est pas grave, je me trouverai les autres tomes en occasion sur Price ou autre. Donc, pareil, c'est de la collection blanche, donc c'est du drame psychologique. Donc, de MC Force, donc j'ai trouvé le tome 4, donc Rapturous, et le tome 5, Ravenous. Redness. Je pense plus que c'est ça, Redness. Donc voilà pour ceci. Donc, vous voyez, ils sont dans un état nickel. Et enfin voilà, je vais pouvoir me refaire une petite bibliothèque spéciale Hugo. Hop, ça va ramener un petit peu de couleur. Ensuite, je me suis pris Black Lie de Alexandra Torre. Donc voilà, je sais plus si je l'avais celui-là. Je pense pas. J'avais un doute, mais bon, j'ai pris quand même. Mais non, je pense pas que c'est celui-là que j'ai risque. Ouais, c'est risque que j'ai. Donc voilà pour celui-ci. Hop. Ensuite, j'ai trouvé. Donc là c'est pareil, c'est un tome 2. Le tome 2 de Addict Toussin. Toussin. Addict Toussin. Au secours. De Monica James. Donc pareil, je me trouverai le tome 1. En farfouillant prochainement, ou peut-être qu'il n'a pas encore été mis en rayon et que ça va venir, je verrai bien. De toute façon, je pense que je vais y retourner demain pour remettre de côté ce que j'ai pas pu mettre de côté, et enfin voilà, ce que je regrette. Voilà, donc je suis trop contente. Et celui-ci, il est dans ma palle, cette saga est dans ma palle aussi. Ensuite, je me suis trouvé une autre trilogie, mais dont les tomes sont indépendants, il me semble. Je pense, il me semble, que c'est pas sur les mêmes personnages. Donc, je sais même pas le nom de la saga complète. S'il y a un nom. Est-ce qu'il y a un titre original ? Non. Donc, j'ai trouvé le premier tome, Le Pacte. Donc c'est de Karina Hale. Toujours en super bon état, ma pile. Et là, ça, je vais avoir mal au cœur si jamais ils viennent à tomber. Le tome 2, c'est L'Offre. Donc pareil, c'était dans ma wishlist, donc trop contente. Et ils sont en super bon état, quoi. Ils ont dû être lus une fois et c'est tout, quoi. Et la saison 3, Le Jeu. Donc trop contente. Tant de Hugo. Et le dernier, qui n'est pas pour moi, mais je pense que j'essaierai de me le retrouver pour moi plus tard, ou elle me le prêtera quand ou elle me le filera quand elle l'aura fini. C'est Charcot de Franck Tillier, voilà. Il est en très bon état aussi, aux éditions Fleuve Noir. Il me semble qu'il n'est pas très vieux celui-ci. Donc. Normalement il est à 21,90, donc pareil, j'ai dû l'avoir à 3€. Donc très contente, je l'ai lu, je l'ai pris direct. Là je suis en train de lire Rêver, donc du même auteur, et j'aime beaucoup. Mais bon, moi, je me retiens de le lire uniquement à la maison, parce que j'ai essayé de l'emmener au boulot, mais je l'abîme un petit peu trop, donc ça m'embête. Étant donné que c'est pas pour moi le mal. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup l'écriture de l'auteur, et ça. Voilà, c'est intéressant. À lire, donc je pense que celui-ci je vais le mettre dans ma wishlist. Voilà, mais c'est pour ma survette. Voilà. Donc voilà pour le dernier livre
pour cette seconde partie du book haul. Donc je sais pas si vous vous rendez compte de tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait de mon téléphone? Je voulais garder mon téléphone près de moi. Je sais pas ce que j'en ai fait. Parce que je voulais faire un petit peu le calcul avec vous. Parce que là j'en ai combien de Hugo? 1, 2, 3, 4. Ah oui, mais ils sont pas tous au même prix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'ai déjà, on va dire, 17 Hugo à 17 euros quasiment. Hein, j'en aurais déjà pour 289 euros. Voilà. Juste pour 17 Hugo. Hein, alors que là, j'ai combien de livres en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. J'ai 24 livres. J'ai 24 livres et j'en ai eu pour 62 euros. J'ai peur de vous dire de bêtises. J'ai mon petit ticket là. Non, 65. Voilà. J'en ai eu pour... Fais le focus. 65 euros. Voilà. Donc, je vais vous donner l'adresse de mon Minimaus. Il vaut le coup, le mien. Enfin, vous devez le voir de toute manière dans mes book hauls. Mais voilà. J'essaie d'y aller une à deux fois par mois et c'est rare que je parte sans rien. Si le mois dernier, ça m'est arrivé une fois. Mais voilà, c'est vraiment rare que je parte sans rien. Je suis vraiment contente des bonnes affaires que j'arrive à faire. Enfin voilà, et la personne qui a déposé ses livres, je pense que c'est la même personne. Franchement, je pense que c'est la même. Je pense que là, elle devait être en vacances et elle a fait un tri dans sa bibliothèque, voilà, pour pouvoir en racheter de nouveau, je pense, parce qu'elle avait plus de place ou autre. Donc voilà, je pense qu'elle a fait de la place. Mais si jamais tu passes par là, hein, tu me captes, hein, avant d'aller à Emmaüs, ça se trouve, ça te fera peut-être moins loin. Mais voilà, parce que voilà, je suis vraiment trop contente. Et la suite est à venir, voilà. Vous allez avoir pas mal d'autres book hauls avec des livres de la même personne, je pense. Parce que tout ce que j'ai mis de côté, il me semble qu'il y a encore du Hugo de côté. Je sais plus trop ce que j'ai mis, mais il y a encore un sac cabas complet qui m'attend à Emmaüs. Mais avec pas mal d'éditions de chez Rebelle aussi. C'est la première fois que je voyais des éditions Rebelle. Et voilà, à Emmaüs. Doublement ouf. Voilà, c'était la première fois que je voyais un livre de cette édition. Et en plus à Emmaüs, c'était ouf. Mais il y en avait deux étagères. Je savais pas trop quoi prendre. J'avais pas vraiment le temps de regarder sur Livradix ce que ça donnait. Donc voilà, j'en ai mis pas mal de côté. Il va y en avoir aussi un peu pour ma soeur dedans, hein, forcément. Je sais que voilà, ils lui font très envie. Donc on fera un petit partage ou on se les prêtera quand l'une aura fini l'autre. Enfin voilà. Mais à t'y retourner demain, du coup, pour remettre de côté ce que je peux mettre de côté pour le mois prochain. Parce que bon, là, clairement, j'en ai déjà eu pour 65 euros. Donc voilà. Hein, mais bon, quand on regarde à combien ça m'aurait coûté neuf, voilà, j'aurais jamais pu m'acheter autant de livres. Donc voilà. C'est pour ça. Je vous conseille, franchement, d'aller faire un petit tour dans vos Emmaüs. Il y a souvent des coins livres. Et voilà. Il y a des semaines où vous allez avoir de la chance, des semaines où vous allez avoir moins de chance, mais il y a forcément un moment où vous allez avoir de la chance. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, sans spoil, comme d'habitude. Et moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très vite pour la suite de ce... et pour d'autres vidéos. Bye bye.